Chargez un pinceau plat avec une palette aux couleurs de l'arc-en-ciel. Grâce à cette combinaison de couleurs, vous allez pouvoir réaliser un arc-en-ciel. Placez votre pinceau sur le haut du front. Étirez la couleur vers le côté opposé en réalisant un arc de cercle et repassez dessus dans l'autre sens. Prenez un godet composé de différentes couleurs, ce qu'on appelle un rainbow cake. Chargez une éponge sur toute sa longueur. Appliquez la moitié de l'éponge sur les paupières. Cette combinaison de couleurs formera les ailes supérieures. Prenez soin de garder l'autre partie de l'éponge pour les ailes du bas, qui auront donc une couleur différente par rapport aux ailes supérieures. Les lingettes sont un outil très pratique, elles permettent de rattraper des erreurs, d'effacer les bavures et de redessiner une forme si besoin. Faites la même chose en inversant le sens de votre éponge. Prenez soin de toujours garder une symétrie de taille, de forme et de direction d'aile, qu'elle soit supérieure ou inférieure, pour chacun des deux côtés. Prenez un pinceau rond, taille numéro 2 ou 3, chargez-le en peinture noire. Vous allez réaliser maintenant le contour des ailes. Commencez par des teardrops. Puis, appuyez votre pinceau tout en tremblant légèrement. Remontez sur la pointe du pinceau et dirigez votre trait vers l'intérieur de l'aile. Réalisez trois fois ce même mouvement. Pour les ailes du bas, je rajoute trois petits points de taille décroissante sur l'intérieur de l'œil et une teardrops qui termine l'extrémité de l'aile inférieure. Ensuite, réalisez des ponts entre chaque trait. Vous pouvez les visualiser comme la forme d'un C. Réalisez l'exact mouvement inverse. Connectez chaque trait d'un point à un autre pour réaliser la forme approximative d'un rond. Rallongez les lignes séparatives entre chaque rond. Remplissez de noir les espaces vides au-dessus des ronds. Réalisez à nouveau des ponts, de la même manière que précédemment, en dessous de ces derniers. Remplissez les jonctions de noir. Reprenez la forme des C pour les ailes du bas. Thank you.
C'est le moment de l'éclairage. Chargez un pinceau rond de peinture blanche. Ajoutez 3 petits points blancs à l'intérieur des points noirs. Ensuite, surlignez les extérieurs des ailes. Votre trait doit rester fin et délicat. Et il doit suivre parfaitement le contour des ailes. Enfin, surlignez l'intérieur des ronds, mais uniquement la partie supérieure. Et faites la même chose avec les ailes du bas. Malheureusement, ma caméra s'est coupée avant la fin. J'ai juste ajouté quelques teardrops sur le côté de l'arc-en-ciel et aussi des points épars sur celui-ci. J'ai complété par une grosse étoile sur le milieu du front et quelques-unes de plus, plus petites, à droite à gauche. Et maintenant, à vos pinceaux!